D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à toi, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va faire un deck. Enfin j'ai fait un deck, on va attaquer un full légendaire. Et on va essayer de gagner. Donc j'ai fait un deck full légendaire plutôt pas cher. 3,9 d'élixir, c'est plutôt pas cher. Si on compare avec les deux autres cartes qui sont en 7 et 4 d'élixir, c'est quand même assez cher. Et la bûche que je n'ai pas utilisée parce que je l'aime pas. Enfin elle est pas subir, donc voilà. Donc un deck plutôt pas cher, et je pense qu'il y a moyen de faire quand même pas mal de dégâts et de réussir pas mal de gameplay tout simplement. Donc on va juste ouvrir les petits coffres. Donc déjà ce petit coffre de clan où j'ai eu 5 cartes ou 4, je sais plus. 35 d'or, un jar royal. Non, j'ai eu 5 cartes et 4 mortées, super. Ensuite le défi de victoire, on a 50 cartes. 2500 d'or, 2 gobelins, 7 gangs de gobelins, 5 boules de feu et 36 zaps. Ok, c'est pas ouf mais bon, ça passe pour 2 victoires. Et le petit coup gratuit, c'est parti. 2 cartes, 93 d'or, 11 esprits de glace et 2 mousquetaires. Ok, donc c'est parti, on va attaquer d'abord une fois en ligne et après on va attaquer je pense dans le clan. Histoire de voir un petit peu comment il y en a qui se défendent face à ce deck. Donc c'est parti. Là j'ai bien envie de tester. Je peux rien faire. Je peux rien faire parce que j'ai pas grand chose. Enfin j'aurais pu mettre la voleuse. C'est vrai qu'elle est quand même relativement puissante, la boule de feu. Ok. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On a fait un petit peu de dégâts sur la tour. Pas énormément, mais bon. Ça va. Là on va mettre la princesse tranquillement. Ici. Alors j'aimerais bien tenter un petit zappi cimetière, mais bon ça va être chaud je crois, parce que ça coûte quand même 11 d'élixir. Ça va être chaud, ça va être chaud. Est-ce qu'on le tente maintenant? Voilà, allez, on va essayer. J'ai pas assez, ouais, plutôt mineur. Mineur coûte pas cher. Oh, genre il a mis le zap et tout, ça a marché. Bah bien joué, hein. Bien joué, bien joué. Yes. Bon pour l'instant, c'est moyen. Comme vous voyez, c'est moyen parce que pour l'instant il est devant. Mais bon. Pas non plus. Ah c'est bon, on l'a rattrapé. On l'a rattrapé, on est passé devant au niveau des points de vie de la tour. Donc ça c'est pas mal. Là ce qu'on va faire, on va faire un petit... Le bûcheron j'ai toujours pas utilisé. On va mettre un petit sorcier de glace ici, tranquillement. Et on va voir ce qu'on va faire. Donc là il y a le... Ok, le petit chevalier. On va mettre la princesse ici plutôt. Tu prépares le zappi. Ok, le petit canon. Qui est quand même pas mal le petit canon. Qui est quand même pas mal. Bien placé. Et là, j'ai bien envie de tenter un petit mineur. Ouais bon. Je sais pas quoi faire parce que là. Ok. Ok ok. Bon c'est bon. Nickel. Ah pas, ouais, il va le zap, voilà. Nickel, il a zap. Ça c'est bien joué. On va mettre ça. On va mettre ça. Et hop là. Donc là ouais c'est pas mal, au niveau de la défense c'est pas mal, même si c'est des légendaires donc il faut essayer de s'en sortir, mais bon, c'est pas mal quand même, là je trouve que c'est quand même pas mal, on a bien géré. Oh là là. Allez, allez les zappis, tape. Yes. Ouais c'est pas suffisant, hein. C'est pas suffisant tout ça. Comme vous voyez là, c'est pas du tout suffisant. Allez mineur, vas-y tape. Le cimetière mineur, bah dommage. Dommage, dommage, là c'est pas assez de dégâts. Mais c'est quand même chaud, hein. C'est quand même chaud de gérer cette ce deck. Ce deck légendaire. Full légendaire. Ok, c'est pas mal. Ouais bof. En plus il y a le zap. Hein. Le zap, du coup le zap il était quasiment inutile sur cette game. Du coup c'est quand même bien joué, on va mettre un petit bien joué. Hop là. Donc là on va attaquer dans le clan. Mais c'est vrai qu'il a quand même bien joué parce que avec le zap, c'est vrai que le zap il fait aucun dégât. Pourquoi il dit coucou YouTube? Ah ok d'accord parce que. Non je voulais pas faire ça. Ou quoi qu'on peut faire un 2v2 avec mon deck full légendaire. Allez, mon tente. On est parti. On est parti, on est avec Vino. Si... il dit bonne chance, je dis merci. On se répond. On serait pas ensemble. Là par contre j'aimerais bien faire ça. Voilà, ça c'est. Ok, il y a le canon. Il a mis le canon, il a mis l'électro-sorcier. Ok, bon pour l'instant,
c'est pas mal. On a quand même fait pas mal de dégâts. On va mettre la princesse ici. Tranquillement. Donc là, j'ai la voile, ce qui est pas mal, qui va être bien. Ok. Ok, mis les archers, ça c'est bon. Bon, nickel. Nickel au niveau du cimetière, c'est bien défendu. Ouais, c'est le mineur. Pourquoi pas le mineur? Ça peut être intéressant, le mineur. Hop là. Ouais, il fait un petit peu de dégâts. Hein. Le mineur, quand même, fait un petit peu de dégâts. En 2v2, je pense que le mineur, il est quand même relativement pas mal. Si vous l'avez dans votre deck, vous êtes quasiment sûr de pas de gagner, mais au moins de faire quand même pas mal de dégâts sur la tour. Et du coup, ben, vous avez de fortes chances de gagner. Donc, là, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire... Ok. J'ai rien pour le... contrer là à droite, les petits gobelins. Bon, il a sur le poison, mais bon, c'est pas ouf non plus, quoi. Sur le poison, c'est pas ouf non plus. La petite... Moi, je sais plus comment ça s'appelle. La roquette, voilà, la roquette. Relativement puissante. Ah, quand même, le fait quand même pas mal de dégâts, le... Oh, je sais plus son nom. J'utilise plus tous pour ça. C'est le... Bon, on le verra après. On le verra après quand je le mettrai une deuxième fois. Mais c'est vrai qu'il a quand même fait pas mal de dégâts. Donc ça, c'est plutôt cool. On va se mettre ça ici. Le bûcheron... non, c'est le bûcheron. Ouais, c'est le bûcheron, voilà. J'ai complètement perdu. Donc le bûcheron a fait pas mal de dégâts à gauche. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, donc là, il est mal parti, lui, en tout cas. Et là, ce qu'on va faire, on va faire ça. Mince, j'aurais dû mettre le mineur. Oh, mal. Ouais, pas mal, quand même. Pas mal, ce petit sort de poison, mais... un petit peu mal placé, petit dommage. Et n'empêche, il nous a rattrapé hein, sur la tour de droite là. C'est pas ouf ce qu'on a fait sur la tour de droite. Donc là, on va mettre le sourcil de glace. Il va tourner. Ah non, dommage, il a pas tourné. Bon, je serais chaud pour mettre le zapier là. Bon, c'est pas mal. Hein. Je pense que là, on est bien parti. Ouais. Oh, bien joué ça. On a gagné. C'est bon, on a gagné. Sans souci. Poison plus le... donc voilà, comme je l'ai dit, hein, le mineur, vraiment une très très bonne carte. Il peut, en 2v2, gratter, du coup, permettre une victoire. Donc c'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai qu'on est en 2v2, hein, donc autant en profiter, autant refaire encore une game, parce que c'était plutôt cool. Surtout en full légendaire. Vraiment cool. Et donc voilà, comme je vous ai dit, le fameux mineur qui peut faire vraiment pas mal de dégâts. Donc là, par contre, j'aimerais bien essayer un petit bûcheron avec le mineur. Ça peut être pas mal. On va voir. Ok, mais le cimetière, bah, on fait encore mieux. Là, par contre, voilà, j'ai pas de... Oh, pas mal ça. Pas mal du tout. Ouais, c'est bien ça. Mais ta princesse ici. Ok, pour l'instant on est bien. Enfin moyen, il a quand même bien rattrapé à gauche. Mais je pense que ça va le faire. Allez, bûcheron contre toi. Vas-y. Cours. Ah, nickel. Donc le bûcheron va faire des dégâts. Nickel. Voilà. Parfait, la fournaise qui fait ce qu'il faut, quoi. Il fait ce qu'il faut et je pense qu'on a la tour. Non, presque. Presque. Donc là, on va attaquer à gauche. Deux cimetières, quoi. Ah, le poison. Par contre, si t'as le poison, mets-le. Ah, dommage. Ouais, mets-le ici, voilà, parfait. Ouais, un petit peu trop tard, le poison. Il l'aurait mis plus tôt, je pense qu'on aurait pu faire des dégâts. Mais là, il a un petit peu mis trop tard. C'est dommage. Mais on va gérer. Ouais, mets la bûche ici, ouais, parfait. Sur la princesse. Comme ça, moi, je mets la princesse. Nickel. Mais par contre, ça, c'est un petit peu moins nickel. Mineur plus Fleur Goblin, c'est pas mal non plus. Comme je l'ai dit, ils ont mineur eux aussi. Et vous voyez qu'ils font vraiment beaucoup de dégâts. Hein. Là, quasiment, ils ont quasiment fait tomber la tour. Donc, comme je vous ai dit, mineur est quand même relativement puissant.
Le poison, vas-y le poison, le poison. Dommage, il a pas mis trop tard, ouais c'est trop tard là. S'il le met c'est trop tard. Mais c'est vrai que le poison peut être quand même relativement nécessaire. Ok, nickel la bûche. On va mettre le petit mineur. On va mettre ça. Bon, il a quand même bien géré. Quand même bien géré en défense. Le ballon qui a fait aucun dégât. Le molosque qui est toujours en vie, mais c'est pas non plus extraordinaire non plus. Donc vraiment pas mal du tout pour l'instant. Il reste 10 secondes. Il reste 10 secondes. Normalement ça passe. Normalement. Hop là. Ouf. Ils nous ont rattrapés. On va finir. Avec mineur, on va le finir. Avec le mineur, ça devrait le faire. Oula. N'empêche, ils nous ont bien rattrapés. Hein. Ils nous ont bien rattrapés. Ouais, c'est bon. Allez, maintenant il faut que je mette le mineur. Dès que j'ai mis le mineur, c'est bon, on a gagné. Il faut juste le mineur. Le mineur. Non, non. Oh. Super serré la game, super serré. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Mais en tout cas, la game, super serré la deuxième. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. A ciao.